C'est toi qui nous appelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos, au chapitre 7, versets 12 à 15. En ces jours-là, Amasias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos : Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias : Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit : Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité seront entre, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Au chapitre 1, versets 3 à 14. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints immaculé devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ.
Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sa lumière, les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donna autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Né du Père avant tous les siècles, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Appelés nous aussi par Jésus, ouvrons notre prière à tous les hommes vers lesquels il nous envoie. À ton Église chargée d'annoncer tes merveilles, donne de prendre courageusement la route de la mission. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. À ceux que tu appelles aujourd'hui pour les envoyer, donne la force de proposer l'Évangile et d'en témoigner par leur vie. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. À ceux qui se découragent devant la tâche à accomplir et la pauvreté des moyens disponibles, donne de prendre appui sur la puissance de ta parole. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. À nous, que tu rassembles en ce dimanche, accorde la grâce de nous émerveiller de ton appel. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, Thank you.
proclamons les mystères de la foi. Gloire à toi. Thank you.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Partez loin, l'aventure est infinie.